Tu regardes quoi? Les 400 coups de François Truffaut, tu connais? Ouais, les débuts de la nouvelle vague française. C'est pas lui d'ailleurs qui a instauré le mouvement? Ouais, enfin, c'est plus compliqué. Bon, les 400 coups, c'est l'histoire d'Antoine Doinel, un enfant de 12 ans. Il traverse des difficultés avec sa famille ainsi qu'à l'école. Il trouve cependant du réconfort auprès de son meilleur ami avec qui il participe à de petits larcins. François Truffaut a admis s'être inspiré de plusieurs moments de sa vie pour écrire ce scénario, un premier long métrage marquant pour la nouvelle vague française. Plusieurs films se disputent le titre de premier film de la nouvelle vague française, comme Le Beau Serge de Claude Chabrol, La Pointe Courte d'Agnès Varda ou encore Le Coup du Berger de Jacques Rivette. À cette époque, une poignée de critiques des cahiers du cinéma, comptant parmi ses rangs Truffaut, Godard et Chabrol, se lancent dans la réalisation de leur premier film. Des réalisateurs qui en inspirent d'autres, comme Agnès Varda ou Chris Marker. Avec un accès à la profession facilité par André Malraux, alors ministre de la Culture, le cinéma français renaît. La nouvelle vague veut bousculer les règles du cinéma classique, jugé trop éloigné de la réalité. Bien qu'il n'y ait pas d'esthétique précise pour définir ce mouvement, les héros qu'il présente ont plusieurs points communs. Ils sont pour beaucoup des gens normaux, tracassés par des problèmes plus contemporains et en quête d'amour. Les réalisateurs n'hésitent pas non plus à y placer des éléments autobiographiques. La grammaire du cinéma est totalement revue. La continuité n'est pas toujours suivie, l'utilisation de mises en abîme ou de voix off et de vues subjectives se développe. De nouvelles caméras et de nouveaux magnétophones apparaissent. Les tournages sont souvent plus rapides et réalisés entre copains. Les réalisateurs ne sont pas les seuls à en profiter puisque des acteurs récurrents reviennent dans leurs films. Jean-Paul Belmondo, apparu dans les films de Godard, devient rapidement un visage emblématique du mouvement. Jean-Pierre Léaud, Anna Karina et Bernadette Lafont suivent le mouvement et deviennent des acteurs incontournables de la nouvelle vague française. La nouvelle vague française a influencé le cinéma du monde entier. En Europe de l'Est, des réalisateurs comme Andrzej Wajda ou Jerzy Skolimowski s'inspirent du mouvement pour réaliser leurs films. Une influence qui s'étend jusqu'au Japon où l'on parle même de nouvelle vague japonaise. Le Brésil connaît le nouveau cinéma, directement inspiré de la nouvelle vague française et des films de Godard. Dis, tu savais que le terme nouvelle vague française désignait au départ des phénomènes de génération? Ouais, il s'agissait d'une étiquette apparue dans un journal, définissant par la suite les nouveaux réalisateurs au Festival de Cannes, où Les 400 coups a d'ailleurs été présenté. La nouvelle vague a fini par n'être rattachée qu'à cette période du cinéma.